Salut à tous, c'est Rivaudrix et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Assassin's Creed Origin. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, deuxième épisode, nous allons faire la nouvelle épreuve, donc la nouvelle quête événement du jeu. Donc la dernière fois, enfin lors de la première épreuve, nous avons affronté Anubis, le dieu de la mort. Et cette fois, c'est le tour de Sobek. Donc je ne sais pas exactement quel dieu c'est, je sais juste que c'est un dieu qui a une tête de crocodile. Donc ça doit être le dieu de l'eau, il me semble que c'est le... il est affilié... à d'autres dieux, peu importe. Nous allons faire cette épreuve. Comme d'habitude, il faut être, je vous montre pour les plus curieux d'entre vous, niveau 40. Il y a 6 jours pour le faire et on gagne toujours un objet de quête rare. Donc c'est sûrement lié, hein. Donc si mes informations sont bonnes, il y en a 4. Donc Anubis, Sobek et il en reste 2 autres qui sont encore inconnus. Donc je pense vous les partager toutes en vidéo, histoire de faire une mini-série, on va dire, donc une série de 4 épisodes. Et on finira sur un épisode conclusion. Donc c'est parti. Allons affronter Sobek. Ok, on en parle qu'il est stylé. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Assassin's Creed. Alors, il me semble qu'il est à peu près le même pattern. Il a complètement le même pattern que... Enfin, pas complètement le même pattern qu'Anubis, mais c'est pas loin. Donc, hop. Donc, j'ai toujours l'épée d'Anubis. Bon, cet arc est minable, hein. On est d'accord. C'est un arc minable. Nous allons utiliser un arc de chasseur. On m'avait aussi dit l'arc de guerrier, que c'était pas mal. J'ai serré l'arc de guerrier, ne vous inquiétez pas. Si, sauf si je vois que ça fonctionne. Alors ça ne sert à rien de frapper comme un demeuré, hein. Il suffit d'attendre que son cœur se mette à luire. Là vous voyez bien que la vie... On va essayer l'arc de guerrier, donc je sais ça fait beaucoup de coupures. Mais essayons l'arc de guerrier après tout. On... Ah, ça a l'air de bien marcher l'arc de guerrier. Hein. Ok, il appuie son cœur qui brille. Ok, il invoque les sbires. Très bien. Voyons voir de quoi ils sont capables. Donc il va forcément faire venir des crocodiles du coup. Donc c'est mon premier essai. Et j'ai l'épée d'Anubis, hein, ça veut dire que je gagne de la santé à chaque fois que je tue un ennemi. Bon, c'est assez similaire. Quoi, il en reste un? Ouais, l'arc de guerrier marche très bien. Merci à l'abonné qui m'a dit d'utiliser un arc de guerrier. Ça marche très très bien. Merci. Je ne sais plus ton nom, mais en tout cas, l'arc de guerrier, c'est vrai que ça fait le kawa. Hein. Mais il est vraiment stylé, j'aime beaucoup ce... À court de munitions, ah, ça c'est con. Donc on va aller tout de suite en chercher. On va pas rester là-dedans. Ok, ça fait mal en plus. Mais il reste un peu similaire à Anubis, c'est peut-être un peu le côté décevant. Bon après c'est gratuit, hein. Faut pas s'attendre à des trucs de fou non plus. Ah, il va invoquer des sbires, je vais en profiter pour aller chercher quelques munitions. Ah ouais. Aïe! En plus, depuis, j'ai eu l'occasion de vraiment augmenter ma santé au maximum. Je peux vous dire que je suis prêt maintenant pour les boss. Hein. Par contre, les munitions partent très vite. Mais je bloque rien du tout, moi je cours. Hop! Par contre, c'est vraiment bien pensé de leur part d'avoir
placer des petits sacs de munitions un peu partout dans le dans l'arène. Franchement, il est beaucoup. Ça va, il est pas dingue. Ça se passe bien. C'est mon premier essai. J'ai encore. Il me manque encore des munitions. Mais je suis sûr qu'à la fin, on va avoir le droit à quelques crocos. Hein. Ah, le bouclier, ça aide. Hein. On va essayer de récupérer encore des munitions. Je mets toujours un petit nuage, ça perturbe. Ça, ça les calme toujours un peu. Ah, mais ça les touche aussi. Oula, mais il y en a un qui est chaud du cul. On utilise le bouclier, donc ils ont toujours un petit pattern en plus par contre. Ouais, d'accord, je suis complètement con. Mais merci à la personne qui me dit d'utiliser l'arc de guerrier face, face à ce genre de boss. Hein. C'était pour Anubis de base, mais vu qu'on est à peu près sur le même délire, ça fonctionne très bien les arcs de guerrier. Hein. Il fait chier. Putain, mais... J'ai juste ce sac... J'aimerais récupérer encore des munitions. Aïe. Voilà, bah il y a quelques munitions. Hop. Hop, c'est très bien. Il est presque mort. J'ai très hâte de voir ce qu'il donne. Comment ça? Et voilà. C'est simple, hein. Félicitations. Bon bah c'était sympa. Oh, un sceptre on a gagné. Et c'est tout? Attends, je vais attendre que la musique se calme. Bon, on a vaincu Sobek. Équipement. À cette fois on gagne juste ça, il y a pas de pièces. Je pense qu'ils ont arrêté leur délire avec les pièces. D'équipement. Alors nous avons gagné un sceptre. Santé coup critique. Donc ça c'est très bien, ça fait perdre de la santé à chaque coup critique. Inspiré du sceptre du Anubis, mais dépourvu du pouvoir de résurrection. Ça c'est dommage. Pas mal du tout ce petit sceptre. Après je suis pas un adepte du combat au sceptre, mais si jamais il y en a, vous savez qu'en faisant cette quête, vous gagnerez le sceptre d'Anubis. Ah, c'est pas mal, hein. C'est un truc à essayer. Enfin, moi je suis pas trop fan des combats au sceptre. On va regarder un petit peu. Ah, il est vraiment joli, hein. Bon bah c'est tout pour ce nouvel épisode du coup des épreuves des dieux. Donc nous avons vaincu Sobek. Donc on se reverra pour la prochaine épreuve d'Assassin's Creed Origins. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien. Ciao.